allez avoir le choix entre plusieurs CC qui traînent là en ce moment sur la toile. Il y a Nexus, il y a Malimu et il y a moi. Tu préfères qui? Tu préfères papa ou maman? Tu préfères le gars rigolo qui fait n'importe quoi ou le gars qui sait jouer en clan battle et qui rigole pas du coup? Mais qui est vachement fort. Eh bien, c'est ton choix. Allez-y, faites ce que vous voulez. Moi, je m'amuse bien en petit tiers. C'est bien fun. On va continuer à faire un peu d'anglais. On va continuer à faire du Fujin, des trucs comme ça. Parce que le Fujin, c'est bien drôle. Ça marche bien. J'ai envie de peut-être jouer gros tiers. De rework mon Shima pour faire des torpilles laser à 90 nœuds. Admettons. Je prends les torpilles 12. Je prends les torpilles 12. Je les accélère. Elles tombent donc à 10. 8 peut-être. Avec le 21, 20, 20% de moins. Mais elles vont déjà vite. Et je mets le truc en plus par-dessus. Ça donnerait quoi? Ça donnerait des torpilles laser qui vont trop vite. J'en sais rien. Hein. Ça pourrait être juste une idée. Il faudra peut-être que j'essaye. Il faudra peut-être que j'essaye ça. Ça pourrait être pas mal. Oh, beaucoup de porte-avions en attente. C'est la misère, les porte-avions. C'est le tib. Porte-avions, c'est la misère. Et voilà, allez, bim, incroyable. Incroyable en face. C'est fun. Ouais, essayer de se cacher un peu. Alors j'ai des navires assez fufus en termes de DD qui me font pas trop mal. Attention à l'Atlanta. L'Atlanta qui peut me trouver. Tiens, Wizbot qui m'annonce les nouveaux followers. C'est gentil, Wizbot, merci, c'est sympa, j'ai rien demandé. Bien. Alors, où est-ce que je vais? Ça, c'est la bonne question. Ce que je fais, c'est. Voyons voir. A, D, 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 D. B is a trap. Peut-être des chances que ça a un peu trop fermé. Tiens, si l'Atlanta est là dans le coin, je vais me faire fumer par l'ATL. Salut Kisscool. Hello Rascal. Allez, on va essayer de prendre des viewers à tous les autres là. Tiens, il y a de l'avion. Je vais essayer de les cap fufusser rapidement. Pour l'instant, ça pointe par là à la radio. Cap à l'air free. Sauf qu'il y a un avion qui jette sur moi. Non, il arrive sur ma tronche. Ah, fuck me. Et voilà, sur ma tronche. Et voilà, tiens. Allez. Top, 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 top. Nope, 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 nope. Ah, il y a quelqu'un. Quelqu'un dans la zone. Et ça, c'est pour moi. Ouh, c'est l'Atlanta. Regardez ça. Ça, c'est la TL. Et bim! Je suis obligé de me casser.
L'avion me spot. La chab. Ils sont trois. Ok, non mais ok. Ok, c'est bon, j'ai compris, c'est bon. Je vais aller chercher lui là-bas. Il veut pas, non mais il veut pas, je comprends qu'il veuille pas. Je me tape l'Atlanta juste en face, quoi, c'est pas de bol. On s'est déjà fait fumer un DD. Et avec l'Atlanta en face, ça me gêne. Je préfère pas trop rester là trop longtemps. Je vais plutôt essayer d'aller sur B, même si c'est un piège. Oh, on va se faire fumer. À l'occasion de cette partie, je la sens mal. Le chino, tirer sur le chino. Trop loin. Mais ouais, allez, ça va passer. Hop, chaud devant. Ah non. Skive neuneu. Gaile power. Loupé. 4 km. Allez, shootez-moi ce truc là. Waouh, Mutsukai, c'est la bataille. Fumez-moi ce machin, nom de Dieu! Allez. Aïe. Je suis plus repéré, j'ai la zone. Ok. Attention, des torpilles qui pourraient venir de n'importe où, n'importe comment. 21, 20 secondes. Je vais pas m'amuser à tirer sur le guidé maintenant, parce que je tiens pas trop à me faire voir. Le Trento, pareil. Récupérer des torpilles, check. Allez, on va caper. Faut caper. Trento tourne. Je le vois plus. Je vais essayer d'aller au fond parce que je pense que le Trento va essayer d'avancer vers notre dé en se disant Penardou, il n'y a personne. Alors je vais essayer d'aller protéger la zone, à voir si je peux pas m'amuser à le torpiller. Je le tiens là. Il est là, hein, déjà. Il va être là. Je devrais le voir. Là. Voilà, il suffit qu'il fasse un tout droit et ça peut le faire. Il fait bord de zone et peut-être que les torpilles, elles sont... lointaine, il faut que je me rapproche. Salut revolver. Il fait un tout droit, mais non, elle sent pas cette bande de torpilles. Ah fuck.
Genre si on traîne tôt. Elles vont vite m'étorpiller. Salut! Eh, hey, t'as vu? Regarde, les torpilles qui arrivent! Ah, elle est fun, elles sont fun, ces torpilles à 71 nœuds! Tu peux pas faire c'est des torpilles laser en T5, quoi, c'est fou! Putain, elles font vite! Le mec, il a le temps de dire: eh merde! C'est exactement ça. Elles sont trop lentes, tes torpilles. N'importe quoi, allez go. Alors, on va remonter. Voir si le ranger peut nous spot. Elles vont vite, hein. Elles vont vite, hein. Avec le nouveau module, elles vont très vite, hein. Et Wargaming a rendu le Fujin... Le Fujin est OP, hein. Il l'était déjà. Il est encore plus OP. Fujin, Kamikaze, Kamikazer, quand vous envoyez en partie, faites très attention. Puisqu'il y a de grandes chances que les mecs aient mis exactement comme moi à Atlanta. Synop. On va s'approcher du Synop qui est dans la zone. Lui, il s'attend pas à ce que ce soit la fête au village. Ça va être la fête. Il tourne. Alors ça, c'est intéressant. On va voir comment il avance. Il vient vers moi un peu en ligne droite. Le temps qu'il approche, il sera dans la zone torpille. Hein. Là, il vient en plein dedans. Hein. Il vient en plein dedans. Normalement, elle devrait être à portée. Vu qu'il avance... Il avance pleine balle. Ouah, il tourne au dernier moment. Il tourne dedans. Bim. Une. Allez, maintenant. Deux. Pas le temps de faire. Pas le temps de faire un petit tour là. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truc du genre ça. Comme ça, il va taper une sorte de petit demi-tour. Voilà, parfait, excellent. Excellent, fait ça. Il s'est pris une inondation déjà, donc là, il va se reprendre. Il esquive celle-là. Il repart. Il tape le demi-tour. Il va s'en prendre une dans les fesses. Oui, yes. Et là, c'est l'inondation. C'est l'inondation de la fête au village. Il coule, c'est nice. Salut Albitos. Horreur, Arlenberg. Fujin, c'est un DD japonais tier 5. Il était dans le magasin. Rassurez-vous, il ne le sera plus jamais. Il sera plus jamais vendu. Plus jamais. Alors. Je suis visible à 6. Il est en train de repartir. De repartir genre tout droit. Donc il va falloir que j'attende d'être à 6-1. 6-3. 6-2. 6. Allez, on va essayer de lui en mettre comme ça. Parce que ça donne. Faut que j'aille caper. Merde, neneu. Mettez-nous du quoi. Allez, tu dois aller caper les zones. Faut pas se contenter d'aller le couler, le mec. Il faut faire demi-tour. Ils sont à 700 contre 412. Allez. Gaz. Hors portée, dommage. Sur un bateau qui part, c'est pas évident. Allez, 726.
On peut les reprendre les zones, on peut les reprendre. Je suis le seul DD, faut que je les reprenne. Faut que je les reprenne, faut qu'on change ça. Alors. C'est parti. Il est trop loin, hein. Donc je cap. Et vous savez quoi? Je vais caper au nord aussi après. Comme tout le reste est là-bas. Il avance plus trop. Il fait une petite marche arrière. Allez, petite marche arrière. On va viser la marche arrière. Petite marche arrière des familles. Tu vas marche arriériser comme ça. Et tu vas repartir en marche avant. Allez. Bim. Oh, c'est pas moi qui l'ai tué. C'est dégueulasse. Il y en a un qui est en train de remonter. Parce qu'il se dit que. Il se dit que voilà. Alors il remonte. Vous avez vu comme je les récupère vite. Ah, tu m'as regardé l'autre sorte. Tu t'es donné envie de réinstaller Black Flag. Black Flag tous les soirs, 23h, minuit. Ce soir, il y a une session. Salut Iron Duke. Toi, j'ai envie de me faire ta fête. Attends, bouge pas, j'arrive. Allez, faut tenir le choc, on y est presque. Si j'arrive à prendre toutes les zones, il est en train de faire demi-tour. Non, il tient là, il tient le truc. Alors comme ça, il est en train de tourner vers nous. Oh merde. Le CV va m'embêter. Voilà, très bien. 5-8. 5-8. 5-9. Parfait, il bouge pas trop. J'ai pas l'impression qu'il bouge de trop. Très bien. C'est parfait. Ça se jette sur toi. La petite dernière là. Allez, la petite dernière dans tes fesses. Ah, elle esquive, elle esquive. Je pourrais essayer de le faire sortir. Salut Bob. Il est passé hors portée. Il est passé hors portée, hors portée, hors portée. Pourrait foutre le feu par contre. Il va sortir de la zone. Ils sont à 800, c'est pas tout à fait terminé. Hein. Un feu. Il vient de réparer. Ça cap. On n'est plus que 3. Leur DD est en bas. Non, il y a du gros hamster en bas là. Là, leur DD est là. Ah, Mutsuki. Total Ninja Full Smoke. Pas tout le temps, pas tout le temps. Parce qu'il va falloir regagner là. Regagner. La gagner celle-là, ça va être chaud de remonter. On n'est plus que 3. Salut Mutsukai, c'est la bataille, viens là. Je vais te faire la fête, moi, tu vas voir. Je vais t'apprendre ce que c'est que la vie. Viens, allez, viens.
Et pas besoin de précision à toi. Tu peux pas venir comme ça. Grand coup d'Y. Oh, aïe, 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 pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Allez, go, 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 go. C'est toi que je veux. Donne-moi du canon, bon Dieu, donne-moi du canon. Ah, j'ai les canons. Allez, allez, dans tes fesses. Merde, un feu. J'ai qu'un seul canon à l'avant, ça c'est nul. Mais encore un feu. Je vais te shooter, man. Je vais te shooter, man. Je vais te shooter. Ça sert à rien de me torpiller, t'es nul en torpille. Je suis en boost moteur, t'es qu'un torpilleur, t'as qu'un canon, t'as rien dans les pattes. Je vais te tuer, je vais te tuer. Ah, sauf si tes potes ils s'y mettent. Allez, tes potes ils peuvent pas s'y mettre. Allez, mais meurs! Yes! Non, pas Saran. Ok. Ça c'est fait, maintenant il reste que des gros tas. Il reste que des gros tas. On est en train de mener au score. On va simplement s'approcher, commencer à lâcher de la torpille un peu dans tous les sens. Ils sont en train de s'approcher, donc... Comme ça. Enfin, le score, on la gagne. Et voilà, bim, deux, ça touchait en plus. On a eu le temps, on a entendu le deuxième qui touchait. Fujin, quoi. Salut Ardois. Fujin. C'est devenu tellement un bon navire. Tellement un bon navire. Je suis peut-être pas premier. Si je suis premier. Je suis premier avec 1345. JJ. Ah, ça fait plaisir de jouer un navire comme ça. Maintenant, je vous jure, hein, ça fait vraiment, vraiment plaisir. J'étais complimenté. C'est-à-dire qu'on a un peu sauvé la game, quand même. Elle était mal barrée, hein. Vraiment mal barré. On va faire un coup. Salut Kafi. Un coup de d'anglois. Les anglois. J'aime bien ce petit Devonshire. Je trouve assez sympa. Je vérifie au niveau des apparences que côté pavillonnage. Ouais, mais il n'y en a plus beaucoup, mais je peux pas faire plus en termes de points. Le T7, ce sera 72 000. On a 40 52 000. Ouais, en deux games, deux bonnes games, ça peut être fait. On peut passer au T7, quoi. Très bon le T7. Bah écoute, déjà le T6, rien que le T6, je m'amuse bien avec. Le T5, j'ai pas été déçu. Le T6 non plus. Alors, si, plus on va monter en tiers, mieux c'est. Et ben franchement, cette ligne, elle est pas, elle déçoit pas, quoi. C'est bien, c'est fun, je m'amuse. Oui, bah oui. Ouais. Mais j'ai envie de dire tous, quoi. Il n'y a pas beaucoup de T7 qui supportent bien le T9. Hein. En règle générale, tu te caches au fond de ton trou.
Derrière ton caillou, tu bouges plus. Shokaku. Salut Firejoke. Bah, en fait, faut dire que ça tire pas loin, c'est vrai. Ça tire pas loin. C'est peut-être un peu le problème, c'est que ça a de la bonne patate, hein. Ça, mais alors, ça tire pas loin. Salut Alex. Alors, je vais peut-être attendre un peu, parce que c'est bien mignon, mais je suis en première ligne là. Et je veux pas dire que ça me plaise beaucoup en fait. Bonjour monsieur Knesno. Regarde, regarde, je freine pour toi. Tu peux. Regarde, ça passe, ça passe. Ça passe à l'est. Non, arrêtez ça. Ah. Ça passe à l'aise. Ça passe à l'aise, je vous dis. Oh là 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 là, mais il y a plein de places. Quelle nouille. Mais regarde où tu vas, monsieur de Woz. Voilà, bon, bah maintenant je peux avancer à nouveau un petit peu. J'ai envie de voir comment ça se développe. Ouais, apparemment. Salut papy! Ça se développe qu'ils sont partis en lemming train complètement sur l'autre lettre. Genre là-bas, en grosse réunion, ils ont été faire un gros pique-nique. Et nous, on part faire un gros pique-nique sur A aussi. Donc allez, tous sur A, voilà, comme ça. On va se tourner après, ça va être vachement chouette. C'est une machine à laver. Comment ça repérer? What? Ah! Ouais, mais lui il me repère pas. C'est le lightning. Slalom, 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 ne le slalom, slalom. Oh, notre aigle, oh l'aigle, oh l'aigle, oh l'aigle, 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 oh, oh là 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 là, l'aigle. Fais quelque chose, neuneu, voyons. Attends, il slalom, il va. Non, ça c'est pas pour moi. Pac, poc, 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 poc. Tiens, prends ça! Alors, il est à combien? Il est dans ma portée torpille. Je dirais même qu'il est dans ma portée torpille. De justesse. Mais il y est. Repéré parce qu'il a fait machine arrière. Oh là 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 là. Bonjour monsieur. Ice Dragon. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu. Mais oui, c'est ça, tu t'es perdu. Boum. Bah ça s'appelle un KS. Alors, tout ce que j'espère, c'est qu'ils se prennent mes torpilles. Ce serait trop fun. Ah ou? Ah bah tiens. Salut monsieur, ça va? 4 secondes, 5 secondes. Ah, par contre, avec Gnezno, là, c'est pas fun, hein. On va essayer de l'éviter. Rester derrière un caillou. Non, mais top, si on va toucher. Par contre, on peut aller caper.
Tourne, 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 tourne. Ah, mais je joue pas pourtant. Qui copie mes techniques de caillouetage? Oh là 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 là, Zara s'est pris des torpilles. On a perdu tous nos DD. On a perdu tous nos DD, quoi. Donc là, j'avoue, ça va être un peu compliqué. Pour moi, elle est lost. La vache, je suis repéré, j'en ai marre d'être repéré, hein. Je ne pouvais pas lancer un avion, un truc comme ça, parce que là je te vois pas. Du coup, le Gnezno il va me faire la fête. Non, il est derrière un caillou. Par contre, je vais me faire tort. Allez, y a pas moyen de. Je n'ai pas pris une balle en ce moment, je n'ai pas pris un obus. Rien, un coach que dalle. Ah, voilà. Elle revient là. Ah, ah. Je me... Oh, le nœud! J'allais dire, je fais demi-tour. J'ai bien fait de pas faire demi-tour tout de suite. Oh, c'est un peu compliqué. Gnesno toujours derrière son île. Salut. Alors, il faut le choper, lui. Il faut le choper, sinon il va nous faire là. Il va nous rendre la vie très difficile. T'as pas un truc là, un hydro, un machin, un bidule. Voilà, ah, il est derrière un caillou. L'autre, il y a un lightning qui est là. Ah mais non, mais non, il est à 6 secondes. Voilà, c'est bien, c'est nice. Un Gnezno tout neuf contre un Gnezno tout mort. Ça va donner quelque chose d'un peu compliqué. Je suis peut-être allé voir pour chercher le DD avec l'aide du Zara. Là, il va sortir. Tous les canons sont pas dessus. Mais YO, la totale. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, boum! Nice, c'est pour moi. Ah non, non, j'ai un anti-air! J'ai mis un anti-air, monsieur, j'ai mis un anti-air, regardez, un anti-air. Oh. Allez. Ah ah ah, j'ai freiné! Ah 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 ah! Ça, c'était pas prévu! J'étais tellement occupé par les torpilles aériennes que j'ai un petit peu oublié les torpilles du DD. J'ai freiné, j'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave. Allez, on va aller. Alors là, le Gnezno se fait contourner par un Gnezno et un Bismarck, donc ça va être dur pour lui. Je suis à nouveau repéré. Ça me cave. Je sais pas, radio, je t'assure que là, la radio, ça me serait hyper utile. C'est encore un destroyer. Marre des destroyers. Allez, Atsuharu. Patch, tiens, 1800, ça picote. Non, ça, c'était dans la montagne. Attends, j'arrive. Ça va, ça devrait aller pour le Gnezno machin. Oh non. Allez, ah, c'est beau, il l'a tué. Je suis abattu un avion. Ils sont pas mal en entière quand même, ces petits croiseurs là. Elles étaient pour moi celles-là, elles étaient bien larges.
On va caper. Y a plus de DD nulle part. Sauf moi, si on est visible. Ah! J'aimerais bien caper avant de le tirer dessus. Parce que là, je suis le seul à caper. Caper la zone, c'est important. On va récupérer les points de vie. Tourne, ils montent bien sur Broadside. Du coup, je me suis toujours pas fait repérer, c'est plutôt bien. Je vais aller derrière sur ben, sur B. Bah. Tout va bien, tout va bien. Ça cap tranquillou. 600-500, elle est bien partie pour être gagnée. Capé, ça donne de l'XP. C'est bon pour la santé. Surtout capsule. Seul, ça rapporte beaucoup d'XP. Quand t'es un croiseur et que tu peux caper, c'est très bien. Just do it. J'aimerais bien aller plus vite, par contre. Ça m'aurait bien plu. Je suis repéré avion. J'ai un support. Eh oui, j'ai un support anti-aérien. Faut pas l'oublier ça. T'as tendance à l'oublier que sur les Devon, machin, bidule, il y a un support anti-aérien. Allez, viens par là. Oh, je suis là-bas, je suis à bas de l'avion. Je choque à coups. Avion en papier. Il a pris cher. J'en suis déjà à 12 avions. Du coup, je vais essayer de passer entre là et là. C'est pas mon plan initial, mais bon, ça fera bien l'affaire. On va jouer au slalom entre les îles. Si je peux faire une cape supplémentaire, ce sera vraiment très bien. Non. Sincèrement, vraiment. Allez, dans ce tir-là, il faut rajouter. Allez, vas-y, encore un avion. Ouais, oh, elles font mal, il m'a fait 9000. Il a eu de la moule. Il revient. Je vais avoir du mal à caper parce qu'il va pas me lâcher. Il va pas me lâcher. Alors, est-ce que je vais réussir à caper? Ça repart, ça. Ah, le fusil de chasse. Et voilà, le revoilà. Regarde, c'est incroyable. Il y va, il y va. Il vient avec rien. Il vient avec. Simplement m'empêcher de caper en rond. Oh, il me fait mal. Ah, bah voilà pourquoi. Salut, Joe. Je suis reporté. Je vais avoir du mal, je pense qu'il va me tuer avant. J'en suis à 19 avions.
Je suis plus sa menace principale. Conclusion, il m'attaque plus moi. Il me laisse escaper. Il attaque l'Elena. Je pense qu'on va avoir le temps de caper avant de finir la partie. 910. Il faut que je cape 14-13 secondes. Salut Totoche! 7, 6, 3, 0, 1,5, 1,25, 1, 3 quarts, 1. Ouais, yes! 2 caps, 2 caps complètes, une cape. Ça va être bien du côté des points d'expérience, je pense. Ça va être plutôt pas mal. On va récupérer des points de vie, là, on va en avoir besoin. Je peux pas le pouvoir le tirer dessus, mais on va essayer d'aller caper la dernière. Non, c'est l'Elena qui est dessus. L'Elena qui est sur zone, mais le CV n'a pas envie de le laisser faire et je le comprends. Et 19 à 19 avions. Il a survécu. Hein. Encore une belle game. 17 000 pecs. On est plutôt bien. Et pourtant que 7 000 de dommages. Mais c'est les caps, hein. C'est les caps. Hein. Une contre-cap et trois caps, dont une, deux complètes. J'avoue, ça joue énormément. Je suis pas premier. Je suis pas premier. Et il y a 2 KS. C'est vraiment 2 KS. Parce que 2 kills, 7 000 de dommages, on est d'accord que c'est du KS pur et dur. Mais quand bien même, ça va. Ça va être une belle partie. Reste plus grand-chose. Il me reste 2 000 à faire. Je pense que je vais. Je pense que je vais Freepex. Ce qui me manque pour aller jusqu'à la suite. On va faire donc aller au Surem et on va faire rechercher. Yes! Sans emplacement, sans commandant. Prochain navire pour 4 millions. Ouais. Voilà un navire supplémentaire qui est drôlement bien. C'est super ça. On va le mettre full. Là aussi, pareil. Bien, il va falloir faire 112 000 pour aller jusqu'à l'Abbé Marle. Je sais absolument pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Tant que ça se joue. Module. On va mettre ça comme ça. J'aime bien avoir les trucs pour pas trop tout me faire péter. Là, on a le choix. Canon anti-aérien. Augmente l'efficacité de la A avec le temps de préparation du secteur A prioritaire. Ouais. Je préfère viser mieux, moi. Attends, c'est ça ou les torpilles? Ouais, lance torpille, on s'en fout du lance torpille. Je préfère avoir un petit peu moins de dispersion et puis tourner bien correctement. Eh ben, j'en suis très content. Figure-toi que t'as vu, regarde, je suis déjà au T7, alors que j'ai pas fait du tout, j'ai pas fait du tout l'avant-première. Je les ai même pas testés quand je les avais en test. Je veux dire, ouais, c'est quoi ce contributeur qui teste pas les navires de test? Je joue moins. Je joue moins. Faut dire ce qui est. Et je voulais me garder quelque chose, avoir quelque chose à grinder, quoi. Et donc, du coup, j'arrive pas à faire de. Je fais pas de mauvaise partie avec, quoi. Je ne me fais pas exploser. Je mange pas sévère comme j'ai pu manger sur la partie croiseur léger anglais, où est-ce que là, tu un mauvais placement, un mauvais endroit, un coup de radar, et pouf! Cette disparition du navire, quoi. C'est de la magie. Kersimor est là. David Copperfield fait disparaître le bateau. Wouh! C'est exactement ça. Alors que là, non.
Non, tu vois, je tiens le choc, j'arrive à faire des trucs dans la game. Non, sincèrement. Et lui, il a un avion de reconnaissance. Moi, je mets de la défensif, ça me sert trop. La défensif, ça sert. Les Amélios, c'est bon. Et puis, en termes d'apparence, on va donc dire qu'il me faut ça pour le commandant, ça pour aller plus vite. Et puis après, bah forcément, tout team, quoi. On va y mettre un truc, ça comme ça comme ça. Ah mon Dieu, il n'y en a plus. Ça comme ça. Ça comme ça. Et puis, il en faut encore un, je dirais là. Parfait. Les drapeaux. Donc, du coup, ouais, je suis content. Je suis agréablement surpris. Voilà, c'est surtout ça. C'est peut-être tellement habitué à des lignes bancales qui marchent pas, alors que là, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Donc, ben, c'est cool. C'est un plaisir à grinder. Ça se joue vraiment bien. Camouflage. Camouflage du contributeur qui va bien. Et on active. On va revenir sur l'autre navire d'avant, Devonshire, et on va lui enlever quelques trucs. À savoir, terme de camouflage, on va revenir sur un camouflage plutôt conventionnel de type Regia Marina. Pourquoi pas? C'est pas conventionnel, mais pourquoi pas? J'en ai beaucoup. On va enlever les pavillons. Ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Ça, c'est bien. Le reste, on laisse. Ça, pas besoin. Comme ça, c'est cool, c'est mieux. Il a une belle gueule. On pourrait aussi lui mettre un camo anglais. Mais là, j'ai beaucoup de marine italienne, donc on va lui laisser on va lui laisser ça comme ça. On va mettre. Si ça bug pas. Retourner sur le suret et on va essayer de voir lui mettre un commandant. Alors, depuis un autre navire, non, depuis la réserve aussi. On a dit que 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Ouais, mais j'ai Neptune. J'ai une Neptune qui traîne. On va mettre une Neptune, ça me permet de pouvoir Neptune sur suret. Cours de commandant supérieur. Ça marche. Je veux un tir en approche pour savoir quand est-ce qu'on me tire dessus. Je veux de la poussée d'adrénaline pour pouvoir tirer un peu plus vite quand j'ai un petit peu moins de points de vie. J'ai bien envie d'un surintendant pour avoir tout un tas de modules supplémentaires. Et enfin, j'ai besoin d'être un petit peu moins visible, sachant que je suis quand même déjà pas mal visible. Pour l'instant, on mettra du support AA après, plus tard. Et voilà. Parfait. On pourra tester ça. Un peu plus tard. Parce que j'ai dit petite hier. J'ai envie de faire un test complémentaire du West Virginia. Parce que, comme vous savez, le West Virginia, avant sa sortie, était très bien pendant les tests. Après sa sortie, il était caca. Et là, il a été. Eh bien, il a été rebuff en scred. Personne n'a rien dit.
Personne ne sait rien, mais pourtant il a été rebuff. C'est ce que j'essaie de déterminer, à savoir si sa dispersion a été réaméliorée ou pas. Et je suis quasiment sûr que oui, parce que les dernières parties que j'ai faites étaient sympas. Et d'ailleurs, on n'en voit plus en game, ce qui veut dire. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, à savoir que les gens se sont rendus compte. Tout comme le Dunkerque, par exemple. Où est-ce que le Dunkerque a été pendant un bon moment C'était pas cool. Là, par contre, on est en anti-8, c'est pas fun. Ça va être dur de tester ça dans de bonnes conditions. Non, mais voilà, on essaye des tests aussi, et Wargaming m'aide pas beaucoup à faire tester dans conditions réelles. Oh non, T8. Ça va être chaud. Ah, bien sûr, j'ai pas les éléments premium. Salut Nevermind de 73. Pour le coup, on a un seul DD et un porte-avions. Le porte-avions est de l'autre côté, le DD est de l'autre côté. Quelque chose me dit qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Comme je suis assez lent en plus. Ça va me permettre d'avoir la visibilité de l'autre côté et en plus l'aviation est de ce côté-là. Ça m'aide vraiment pas. Ça vient sur moi. Je suis deux avions déjà. Alors on est lent, hein. Par contre, là, c'est le truc, c'est que on est hyper lent. Ah, mais je t'avais, toi, de tirer dans la montagne, je te tenais bien. Sincèrement, je suis trop loin pour tout le monde, pour que les gens me tirent dessus. Alors, ça c'est intéressant. C'est un peu loin, mais c'est touchable. 10 secondes. Attends, pourquoi je n'arrive jamais à toucher personne? Je vois toujours les gens, je les vois pas. Bismarck, il a tourné comme une grosse brute. Double Bismarck, c'est fun ça. Quel bruit de canon, mes amis. Ouais. Il n'y a pas à dire, la dispersion est bien mieux. Allez, on va balancer l'avion. Merde. Non, montagne!
Allez, je vous ai tellement broadside, les mecs. Allez, on me donne plus de montagne, on me donne plus de montagne. Merci. Non, on me redonne de la montagne. Et là? J'avais un trou. Pas tout qui passe, mais qui passe un peu. Ouais, c'est mieux que ça n'était. Ils sont trop occupés avec tout ce qu'il y a en face pour me regarder moi. Deuxième est par là. C'est mieux la dispersion. C'est mieux la dispersion. Oh, le petit T6 qui tue le T8. Le qui il a de sérieux problèmes. Il arrête d'avancer déjà, ou il avance encore, mais il est en train de faire face. Il se dit, j'aurais déjà enclenché la marche arrière. Ah, ça a ricoché. Je vais descendre. C'est pas moi qui ai fait ça. Il se prend tellement de tirs dessus, le pauvre. Tellement de tirs dessus. Il était à 19. Bon, bah maintenant. Je récupère un avion dans 3 minutes. Ça va être chaud, hein. Allez, suivez ce croiseur. Sauf que le temps qu'on y arrive, la partie sera terminée. Ah, Dédé là. Il est quasiment mort. Je pense que la Marle va le shooter. Comme ça. Pas besoin de passer à la cheveux du coup. On va mettre les canons dans ce sens-là. En prévision de ce qui va arriver sur mon flanc bâbord. Et on va essayer de taper là-dessus. Un avion de reconnaissance dans 2 minutes. La partie est terminée là. C'est plus convaincant déjà, je t'avouerai que ça redevient plaisant à jouer. C'était vraiment devenu n'importe quoi ce navire.
Donc on se retrouve, je rappelle quand même, c'est un navire de T6 avec des canons de Colorado. Donc des canons de T7. Du coup, ben, ça peut le rendre bien, sauf que sa dispersion avait tellement été changée que il valait plus rien, quoi. Il valait plus rien puisqu'il touchait plus rien. Donc ça sert bien d'avoir des canons, des gros canons, mais si tu touches rien, si tu fais rien, c'est pas fun. Il va sortir. J'aligne. Et voilà. J'aligne, mais ça sert à rien. Salut Panix. C'est vraiment le type de bateau type Colorado où est-ce que tu dois pas te tromper de côté en début de game. Si tu te trompes de côté en début de game, eh bien tu peux plus revenir de l'autre côté. La partie se termine avant. T'as pas le temps. Mais là, j'ai pas pu trop jouer sur la partie. Du fait que tu es un petit tiers, quoi. Voilà, les timbres, je peux même pas le tirer dessus. Je comprends une. Incroyable. Attention, dispersion, dispersion time. Ah, oh, ta merde, il était pas là. Je suis en bas de tableau, mais c'est plus plaisant que les. Bon, je suis en très très bas de tableau. T6 en T8, j'avoue que c'est quand même pas évident comme game. Salut Mélagan, il faudrait le voir dans une vraie partie T6, quoi. T5, T6 en fait, ce serait vraiment mieux. Porte-avions, pas de porte-avions, pas de porte-avions, on dit porte-avions en attente, pas de porte-avions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas porte-avions, pas porte-avions. Pas porte-avions, non, pas. Pouf. Voilà. Là, les T6, ils sont heureux avec une partie en T5. C'est ce qu'il me faudrait aussi en T6 et pas partir en T8. J'avoue, c'est un peu moins fun. Donc. Beaucoup, 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 beaucoup de destroyers. Dominique Azé, un Fubuki et un T22. Eh ben, avec ça, c'est fun, on va bien s'amuser. Oh là là, mais arrêtez de parler, arrêtez de parler. S'en fiche de ce que vous faites. Alors là, je comprends pas trop bien où vont les avions du Ranger.
Du Ryujo, pardon. C'est un Ranger en face et un Ryujo pour nous. Ils vont sur C. Mais c'est pas là qu'est la menace. Hein. Les navires, ils sont là en face, quoi. Regarde, le Ranger, il l'a bien compris, il me fonce dessus. Ah, il va faire tout le tour. Il va faire tout le tour, ça c'est bien malin. Alors, super, un miné casé. Ici. Bon, le gars aidé peut choper le miné casé, hein. Ça c'est pas trop de problème. Et derrière moi, j'ai un Nicolas. Très bien, contre le miné casé aussi. Parfait. J'ai envie de dire, on est pas mal. Maintenant, voilà, l'autre il se jette sur nous. Ah, la gueule. Entre toi, miné. Allez, guys, c'est l'heure de mettre l'hydro. Faut y aller là. Faut le sortir. Il est sorti de la zone. J'ai coupé mon entière. En train de me faire repérer que le ranger il s'énerve contre l'autre. Je suis en train de caper. Merde. Je vais me faire repérer. Oui. Ça va. Il a pas l'air de trop tourner, il a pas l'air de trop bouger. Il a pas l'air de trop tourner. Pas l'air de trop bouger. Pas l'air de trop, pas l'air de trop. Ah, si, ça y est, ça y est. Un feu. Il a complètement fait demi-tour. Mais j'ai bien tiré mes torpilles, il devrait peut-être en prendre une quand même. Une petite dans ses fesses. Ah, il va esquiver. Oh non. Il a esquivé même ça. Salut GV+. Faut que je lui remette un incendie. Il a des soucis à se faire. Des soucis à se faire. C'est fini. Falloir repartir par là et retourner sur B maintenant. Attention, guidé. Ah, le train numéro 6663 à destination de Bandol. Va partir. Hein. Attention à la fermeture des portes. Attention au départ. C'est un bruit de train. Je pense à la bout de train.
Alors, il y a du DD qui arrive sur. Ah, les autres, ils sont disséminés un peu. Ah, ça va peut-être temps de bomber un peu plus vite là, ça fait d'arriver un peu vite. Sur zone, attention à ce machin là. Juste ici, un Fubukai. Voilà, Loma, il pourrait fumer le Fubuki, hein. Pas la paix. Pas la paix, pas la paix. Alors, j'ai quoi comme canon là? J'ai un peu de canon. Je peux essayer d'aider un peu. Je smoke. Non, 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 il va plus être visible. Je comptais sur Loma. Ah. Ah, va te faire voir chez les Grecs. Il va torper la smoke. Il est pas con. Je suis pas con non plus. Donc, entre gens pas cons, eh bien, on s'en va. Et on va le regarder, voir faire où est-ce qu'il est. Il part. Les gens là! Voilà, regarde-moi ça. Allez, je te fume! Salut! Je vais te faire mal. C'est pas vrai. Allez, go, 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 go. Meurs. Meurs. Yes. Alors maintenant, attention. Chaud, chaud devant. Je repars dans ma smoke parce que l'autre, il arrive. Il arrive là. Regarde, il est là. Ah, il a tiré. Il a tiré au hasard. Je me suis fait casser le moteur. Bah, pareil, une fois n'est pas coutume. On va les caper. En gagnant score, mais pas de beaucoup. Il nous faut absolument la zone. Elles sont bien ces petites parties en Fujin. Je sais pas ce que vous en pensez. Elles sont plutôt pas mal. Elles sont sympas à regarder et sympas à jouer aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire lui? Ah non, je peur qu'il va pas m'envoyer sur moi. Ah, si, 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 en plein sur moi. Ouais, en plein sur ma tronche. J'en ai marre. Me surspot. Est-ce que je touche avec le Wayang, Wayang, Wawang, Wawang, Wang, Yang? Il a fait demi-tour. Ouais, j'en ai mis une. Allez, ça c'est fait. Ah, ouais, c'est différent, c'est sûr, mais c'est fun. Des fois, t'as les mecs qui nagent droit devant eux, quoi, un peu comme ça, là, donc du coup, c'est rigolo. Les mecs sont plus éclatés, quoi, là, c'est vraiment plus éclaté, on voit bien, hein. Il y en a un peu à gauche, un peu à droite, un peu en haut. Je vais pouvoir me faufiler entre tout ça, je pense. Je sais pas où est le Dédé. Ah, le Dédé est là-haut. Je peux me faufiler. Je peux me faufiler entre tout ça. Et puis, aller voir pour Lucie.
Le Texas, ça avance pas vite, un hein, Texas. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est chouette. Alors, regarde, il va là. Je peux penser qu'il va sortir de l'île. Voilà. Il va sortir de l'île et il va tourner sur son tribord pour pouvoir longer l'île. Pas encore à portée. Pas encore à portée. Ça y est, il est à portée. Donc, on a dit un peu comme ça. Bon, je pense plutôt hein, comme ça, comme ça, comme ça. On vise la sortie de l'île. Et on voit ce que ça donne. Attention à ne pas se faire repérer, parce que là il est prêt, hein. Il est pas loin. Hein. Voilà, regardez, regardez. Exactement ça. C'est à peu près ça. Tant pis dans 15. Alors ça donne quoi? Ça donne pas mal. Ça donne. Une. Je suis un peu déçu. Du coup, il fuit. Du coup, il fuit. Lui, est-ce qu'il est en marche arrière? Marche arrière, marche avant. Marche avant. Ah, ma torpille n'arrivera jamais. Il aurait été en marche arrière, ça aurait été cool. C'est dommage. Donc, du coup, je suis allé caper dans le dos du Texas. On va y aller plus vite. Peut-être aller choper le porte-avions après. Hein. Tout là-bas derrière. Une fois qu'on aura capé tous les points. Le cuirassé là-bas, il s'est perdu au fond. Hein. C'est vraiment perdu. Voilà, je choperai pas comme ça. Par contre, le porte-avions, je peux lui faire sa fête. Que ça se barre le Warspite. Par contre, le porte-avions il va bel et bien tout droit. Hein. Il est en train d'aller sur un point safe. Il va me chercher. Il vient me chercher. Il vient me chercher. Regardez, il vient me chercher. Il vient me chercher. Manque de bol. Ben, il est en. Tu tombes sur moi là. Et oui, bah, il manque de bol. Voilà. C'est capé. Moi, je m'en fous de ce que tu fais. Malin, mais j'ai gardé un set de torpilles. Voilà, attends, j'arrive. Waouh. Et j'en ai gardé un. Pour toi, exprès, regarde. Tiens, esquive ça. Oh nice, c'est beau ça. Elle est partie, elle est terminée. Heureusement qu'elles font pas mal les torpilles porte-avions. Elle me coule, je pense. Et bah il aurait été en chasseur au lieu d'un torpilleur, je pense que il m'aurait fait bien plus mal. Il m'aurait peut-être tué. Je suis premier, 3 kills. Le Fujin est un tueur. Je pense que le Fujin va remonter mon win rate. C'est parce que j'influe réellement sur la partie, sur toutes les games, quoi. C'est un truc de fou, hein. Je sais pas si vous avez vu mes différentes parties en Fujin, mais c'est clair que ça. Ouais, quoi. C'est.
Ça marche plutôt bien, hein. 3 caps. 3 caps, 3 kills, je veux dire, il n'y a pas photo quoi. Les torpilles 71 nœuds, ça change la vie. Hein. C'est les torpilles laser, c'est presque inesquivable. Si le mec ne fait pas, s'il n'a pas déjà conscience qu'il faut faire, il faut faire du truc comme ça toutes les 20 secondes quand t'es comme à au tiers, c'est la fin. Mecs qui font du tout droit. Voilà, c'est devenu un très très bon navire. Très très très. Il était déjà très très bon. Je peux maintenant dire sans trop de problème qu'il est trop bon. Il était très bien, il est trop bien maintenant. Grâce au module. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. On le retrouvera plus. Hein. Faut pas rêver, hein, ce genre de navire-là, on ne le trouvera plus. C'est fini. C'est comme le Giulio Cesare. On le retrouvera plus non plus. C'est des navires comme ça. C'est dit, bon, ils sont trop bons, mais il n'y en a pas une population énorme, quoi. Les kamikazes, il y en a beaucoup par contre, parce qu'il était récupérable gratuitement contre des gemmes, un truc qu'il fallait grinder. C'était dur, mais c'était faisable. Le Fujin était mis en vente à l'occasion d'un Halloween, d'où la coque. C'est une coque halloweenesque. Et enfin, le kamikaze a été vendu magasin aussi, pareil. Mais ce sont toutes les trois le même navire. Kamikaze est un des navires le moins en jeu. Sans doute avec le neutre à chimie. Il y en a très peu. Parce que bah, il y a déjà des gens qui avaient déjà le Kamikaze R et le Fujin se sont dit pourquoi je suis acheté le Kamikaze quoi, ça sert à rien. Et puis bah, le Kamikaze R, c'est le premier qui est sorti de la lignée et lui se récupérait gratos. Mais ce sont tous les trois le même navire, simplement avec une coque différente. Il me semble. Hein. Niveau de l'artillerie, ça tire toutes les 10 secondes de base. À 8-7. Toutes les 10 secondes. À 8-7, tu vois. C'est le même navire en couleur, si ce n'est que c'est la coque qui change, quoi. Quelle heure il est? Il va être bientôt 7. Moi, je vais vous laisser du coup. Moi, je vous donne rendez-vous ce soir 23h pour faire de l'Assassin's Creed Black Flag. Il y a du bateau. C'est pas le même style de jeu, on est pas d'accord. Mais quand même, c'est sympa. Ça reste sur l'eau. Maintenant, j'ai commencé depuis pas très très longtemps. J'ai 3 heures de jeu dans les pattes. Sachant que c'est un jeu qui va se terminer en 65-70 heures, on va dire, quand j'ai fait, j'en suis même pas à 5% de la partie, quoi. Donc, si vous voulez récupérer là où est-ce que j'en suis, ben, n'hésitez pas à passer, ça fera plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis, je vous souhaite un bon appétit, parce que ça va être l'heure de manger. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voyons voir si on peut pas raider quelqu'un. Ce serait toujours rigolo. Voyons voir qui est-ce qu'il y a en face. Mais oui, il y a un Mali. Regardez, on va envoyer tout le monde chez Mali, mais avec 5 minutes de délai. Donc il sera. Voilà. Pas pour tout de suite, quoi. Lancer un raid sur une chaîne chez Malimou. Alors, on va voir si je fais ça. Hop, j'allais, je vous envoie tous chez Malimou directement. Vous lui ferez un coucou de ma part à 5 minutes de décalage. Il va pas dire tout de suite coucou, du coup, les gens, parce qu'il y a 5 minutes. Mais voilà. Et à plus tard pour de nouvelles aventures. Plus, plus, merci d'avoir suivi. Bye bye.